Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de débat. Pour la nation, débattre de questions importantes pour que la nation émerge, c'est ça même le fond de cette émission. Alors, comme nous l'avions annoncé, à la télévision, vous avez suivi l'annonce dans les réseaux sociaux, sur Twitter, WhatsApp et consorts, que nous allons recevoir une personnalité de la majorité, de l'Union sacrée, j'allais dire de la majorité présidentielle. Avec lui, nous allons décrypter de fond en comble les questions de l'heure. Les questions de l'heure, c'est la situation qui prévaut dans la partie Est, avec les dernières déclarations de Kagame au niveau de Bénin, qui remet même en cause la carte de la RDC. Cette loi qui fait rage, la loi Tchani, on parlait. Le processus électoral, nous en sommes où? Dire un mot, pourquoi pas le budget du Congo et le social du Congolais? Parce que la finalité de l'action politique, c'est le bien-être social. Mais on s'est parlé de lui un peu, hein. Savoir un peu qu'est-ce qu'il est devenu. Ça fait un bon temps que je ne l'ai plus revu. Il m'a fouillé, il fouille ce plateau. C'est le plateau qu'il a tant chéri hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Thierry Mosséné Pomototo, président de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolaises unies, entrepreneur, responsable de plusieurs sociétés et même des microfinances, j'ai appris. Bonjour, bienvenue. Merci, même si on dit que j'ai trop vieilli pour la Ligue des Jeunes. Vous suivez les réactions? Ah, mais bien sûr, ça me fait rire. Quand j'ai tweeté, j'ai dit que je devais vous recevoir. Oui. Bon, les gens ont dit, un président de la Ligue des jeunes, Très vieux. très vieux. Il n'y a pas de jeunes qui sont dans la vingtaine chez vous, Non, il y a pour que beaucoup vous ayez un il y a président des beaucoup de jeunes qui est jeunes. dans la Nous attendons cinquantaine. le congrès de la CCU, en tout cas pour que finalement le parti me donne d'autres chances. Parce que même les jeunes de la Ligue, lorsque des fois on a réunion, je dis que je suis leur président, ils regardent un peu en bas là, parce qu'ils se disent, bon, ce vieux-là, il faut qu'il aille à la Ligue des vieux. La CCU, ça se passe bien? Oui, nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Nous avons eu des réunions pour étoffer nos listes, parce qu'on essaye de faire mieux que ce qu'on a fait en 2018. On a eu 9 députés en 2018 et un sénateur. Nous nous battons pour essayer de faire mieux pour les élections de Le président 2024. Lambert Mende va bien. Il va très bien, comme un charme. Il revient d'un long périple en Europe où il était parti pour des contacts pour les lignes maritimes congolaises, parce que finalement, il faut que cette société d'État puisse avoir des bateaux, comme c'était à l'époque du maréchal. Déçu après la sortie du gouvernement ou pas, vous êtes donné à cor et à cri, hein, il faut dire, CCU, vous avez quitté Kabila, venu rejoindre Tshisekedi. Lambert Mende met son expertise, on l'a même vu dans les médias, défendre le régime Tshisekedi. Je ne vais pas parler de vous, qui êtes presque chaque jour dans le plateau télévision pour donner de l'énergie. Parce qu'on reproche au régime Tshisekedi aujourd'hui de ne pas vraiment avoir beaucoup de personnes qui sont même de réfléchir avec la tête pour bien défendre ce régime. Mais beaucoup qui sont venus, vous en l'occurrence, qui passaient à la télévision, les Fumututu qu'on sort pour défendre ce bilan. Mais après la sortie du gouvernement, beaucoup ont été un peu offusqués de dire que on a marginalisé certains. Vous, à la CCU, comment vous avez considéré ça? Non, Satisfait ou déçu? nous on est satisfait parce que notre ministre a été maintenu. Notre ministre qui est en charge des relations avec le Parlement, Madame Anne-Marie Karoumé, a été maintenue. Et pour nous, c'est un plaisir parce que dans notre parti, nous avons comme vision de promouvoir la femme. Et c'est vraiment pour nous un élément important que cette grande dame puisse être notre Il n'y a représentante au sein qu'elle du et le président gouvernement. qui devraient se retrouver, et vous tous qui faites un grand travail au parti, vous servez à quoi? En l'occurrence, Thierry Monsenepo. Bon, Mais attendez, le beaucoup problème, vous c'est attendiez que. ministre ou mandataire, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais vous savez qu'il faut d'abord savoir les principes de la vie, c'est que chaque chose arrive en son temps, premièrement. Deuxièmement, la politique, c'est une course de marathon, c'est ce que la plupart des aînés me disent toujours. Et troisièmement, je n'étais pas en train d'attendre un poste au gouvernement. Donc, en ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas du tout offusqué par quoi que ce soit. Pris sur le plan d'ensemble, en tant que parti politique, je suis content parce que nous continuons à être représentés au niveau de l'exécutif. Maintenant, pour les autres, je ne peux pas parler à leur place. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que
Vous auriez dû obtenir quelque chose, mieux même ce qu'on a vu là, mais personne n'arrive à comprendre. Il y a deux, bon, on cite certaines personnes, on dit par exemple, il y a Henriette Ouamou, que beaucoup sont surpris hein, de ne pas voir sur le, dans le gouvernement, regardez ce qu'elle fait. Mais aussi Thierry Monsenepo, on dit qu'on vous a payé au monnaie des singes, vous êtes battu à corps et à cri pour ce régime. Le gouvernement sort, les mandataires sortent, Thierry Monsenepo n'est nulle part, tu sais qu'il vous a zappé. Est-ce que c'est une question par rapport à Thierry Monsenepo, ma petite personne, être quelque part, par rapport à ce grand ensemble qu'est l'Union Sacrée, par rapport au travail que nous faisons au sein de la CCU? Je pense que Thierry Monsenepo n'est qu'un petit élément. Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Pas du tout, sinon je ne serais pas venu ici. Sinon je ne continuerai pas à faire avec zèle ce travail de communicant que je fais pour l'Union Sacrée, pour mon parti politique qui est la CCU. Sinon je me serais récroquevillé en train de pleurnicher pour des chagrins et ainsi de suite. Oh, ce n'est pas le cas. Vous ne regrettez pas d'avoir je quitté Je suis le là même. Pour que Tshisekedi ne vous considère pas votre juste valeur. Vous savez, M. Peter, nous sommes des républicains. Il faut qu'on arrête avec cette histoire d'individualiser les choses. Nous avons quitté une plateforme où nous étions sociétaires qui s'appelait FCC. Parce qu'à ce moment-là, notre vision de gestion du pays ne marchait plus avec le FCC. Nous avons quitté le FCC. Et nous avons rejoint la vision du président Tshisekedi qui est l'Union Sacrée. Donc nous les individus, M. Peter, Thierry Monsenepo, Lambert Mende, qui que ce soit, nous sommes petits par rapport à toute vision qui concerne le mieux-être des Congolais et une meilleure gestion de notre pays. Donc, nous ne considérons pas avoir quitté un individu, nous considérons avoir quitté une plateforme, nous considérons avoir adhéré à une autre plateforme qui répond à nos ambitions, qui répond à notre manière de voir la gestion du pays. Et cette plateforme s'appelle Union Sacrée, qui hier était une vision, aujourd'hui c'est devenu une plateforme politique. C'est quoi la vision de l'Union Sacrée ? Un meilleur Congo, basé sur l'état de droit, sur une meilleure gestion des ressources, une meilleure distribution des ressources, le combat des antivaleurs, le combat de l'ethnicisme et du tribalisme, mettre le Congolais au devant de tout ce qu'il y a. Le combat du tribalisme. Décision, bien entendu. Okay. Et l'unité de tous les Congolais autour de l'idéal commun qu'est l'émergence de notre pays. Voilà. Lorsque vous regardez le régime Tshisekedi, vous entendez certaines personnes crier « Mieux vaut que Kabila revienne, Kabila Azonga. » Le maïs pose problème aujourd'hui au Katanga, par exemple. Ici à Kinshasa, il y a un problème de bouchon terrible. Qu'est-ce que vous vous dites en ce moment-là? Satisfait? Vous savez, le président Mitterrand a dit « Il n'y a de meilleur président qu'un président mort. » Le dit toujours. Hein? « Il n'y a de bon président qu'un ancien président. » Et celui qui est là est toujours critiqué, c'est tout à fait normal parce que toute œuvre humaine comporte des lacunes. Donc, aujourd'hui qu'il y ait les Congolais qui réclament Kassavo Mobutu, Kabila, entre dans la logique de ce que le président Mitterrand avait dit et je partage cet avis. Maintenant, en ce qui concerne les difficultés actuelles, d'abord, je ne peux jamais exonérer le gouvernement en ce qui concerne les difficultés de nos populations. Moi-même, je suis arrivé ici en retard sur votre plateau à cause des questions d'embouteillage. Il faut régler ces problèmes parce que les populations souffrent. Il faut les régler de manière urgente. C'est en partie, Dieu merci, la décision qu'a prise le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a réuni autour de lui les responsables de la police de Kinshasa, mais aussi, à côté de lui, il y avait le ministre des Transports, pour donner des orientations claires pour résoudre ce problème. En ce qui concerne le problème de maïs dans le Katanga, je suis choqué aujourd'hui que depuis 2013 pratiquement, on revienne sur ce même problème du maïs du Katanga. On ne peut pas comprendre que là où existent des Congolais, que l'on continue à avoir ce genre de pénurie alors que la terre katangaise, elle est une terre fertile. Fertile. Ça, c'est aussi la paresse de nous les Congolais. Okay. Vous savez, dernièrement, j'ai fait un voyage à Kenge, chez moi dans le Bandundu. J'ai remarqué une pénurie de nourriture dans certaines contrées. Et pire, même à Kikwit, il y a des denrées qui ne sont pas là. J'ai même fait un tour au marché de Kwamout, je peux vous dire qu'il y a des denrées qui ne sont pas là. Nous devons finalement nous émanciper en tant que peuple et comprendre que
nous ne devons pas et ne pouvons pas tout attendre du gouvernement. Nous devons faire un effort de pouvoir prendre conscience d'une prise en charge. C'est important. D'accord. Ce n'est pas normal que nous continuions à ce jour d'avoir un si beau pays, un si grand pays, et continuer à pleurer sur des histoires de maïs. Très bien. Qui, dans d'autres pays, sont organisés par des populations. Vous avez eu la chance de voyager. Mais je pense que peut-être vous n'avez pas encore eu la chance d'arriver en Inde, par exemple. Là-bas, le riz est cultivé par des familles. Ce n'est pas le gouvernement. C'est des familles qui font des cultures de riziculture, en Chine mêmement, et il y a des coopératives qui les rachètent, qui les entassent pour finalement les revendre. Il y a des riz que nous mangeons ici, qui proviennent de Taïwan, qui proviennent de Pakistan. C'est cultivé par des familles dans des villages. D'accord. Dossier, situation Est. Tirez mon sénépo. Kagame ne nous a jamais autant tapé qu'aujourd'hui et humilié. Tout le monde sait, c'était un secret pour personne, que les M23 sont instrumentalisés et gérés par Kagame. Tout Congolais digne de ce nom se doit de le dénoncer. Mais Kagame pousse le bouchon trop loin. Récemment, au Bénin, chez le président Patrice Talon, Kagame lâche entre les lignes que nos frontières ont eu une partie du Rwanda et de l'Ouganda. En d'autres termes, c'est que cette guerre que nous fait le Rwanda, c'est pour récupérer certaines terres chez nous. On a vu cette tollée générale des réactions ci et là. Comment vous réagissez par rapport... Là, je pose la question à un Congolais, parce que les prises de position politique aussi nous divisent assez souvent. Mais à un Congolais, comment, lorsque vous avez entendu Kagame, vous avez réagi? Et qu'est-ce que vous dites aux Congolais par rapport à ces propos? D'abord, M. Peter, je vais vous dire que M. Kagame s'est humilié lui-même. Il ne nous a pas humiliés. Parce que le monde entier a finalement compris que c'est un funambule. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, au gré de vent, change d'argumentaire. Lorsque vous regardez l'histoire et vous essayez de comparer les propos de M. Kagame, vous vous rendez compte qu'il ne fait que changer de prétexte assez souvent pour ses agressions envers la République démocratique du Congo. Premièrement, il a commencé par dire qu'il voulait combattre toute dictature en Afrique centrale en attaquant Mobutu en appui à l'AFDL. Ensuite, en 1998, il dira que Mosé Laurent-Désiré Kabila n'a pas respecté les accords, des accords qu'on n'a jamais vus, et que c'est pour cela qu'il a attaqué au 1er août 1998. Quelques mois après, on retrouve les troupes rwandaises à Kisangani en train de combattre les troupes de l'Ouganda, avec comme raison cette fois-ci que les troupes ougandaises étaient en train de protéger des FDLR qui avaient fui vers Kisangani. En 2001-2002, lorsqu'il attaque avec Laurent Nkunda, il dit que c'est pour maîtriser ou éradiquer les FDLR. Il oublie que bien avant, en 1998, James Kabarebe, son chef d'état-major, avait dit qu'ils avaient attaqué les positions des FDLR. Donc, on va plus loin. En 2003, en 2011-2012, lorsqu'il attaque cette fois avec le CNDP ou M23, puisque c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, il dit que c'est pour essayer de protéger les populations tutsi qui étaient meurtries dans notre pays. Et maintenant, en 2022, il réattaque, d'abord en commençant par dire qu'il n'y avait pas de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Les preuves qui sont tombées en pluie ont contredit ce qu'il disait. Et puis il a fait allusion aux populations tutsi de la RDC qui seraient martyrisées. Les tutsi congolais, nos frères, ont réagi, notamment par la bouche de notre ministre d'État Guy Saro, qui a dit qu'ils n'ont jamais mis M. Kagame comme leur porte-parole. Et plus tard, il commence maintenant à sortir cette histoire de frontières. Cette histoire de frontières démontre à suffisance que M. Kagame n'a que des ambitions hégémoniques, parce qu'il ne maîtrise nullement l'histoire qui renseigne que le Rwanda, dans sa taille actuelle, est une résultante des compromis entre la colonie belge et l'Allemagne de l'époque, lorsque, au 14 mai 1910, le Parlement belge va voter l'élargissement de ce royaume jusqu'aux abords du lac Kivu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Ndaiwel qui le dit, mais aussi un grand chercheur qui a écrit sur
le royaume rwandais, le chercheur Yann Vansina, qui explique très bien que les conquérants de l'époque qui était le roi rwandais, Tutsi, n'a pas réussi à étendre son royaume jusqu'aux abords du lac Kivu, mais c'était plutôt des compromis entre la Belgique et l'Allemagne. Donc, pour appuyer ou poursuivre ce que dit le professeur Ndaiwel, si aujourd'hui il y a terre à récupérer, c'est la RDC qui doit récupérer les terres au Rwanda. Au Rwanda, pas le contraire. Pas le contraire. Maintenant, ce qui ridiculise davantage M. Kagame, c'est que son pays, le Rwanda, est signataire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, qui a donné place à l'UA. En 1963, lorsque cette organisation est créée, les pays signataires disent qu'ils respecteraient l'intangibilité des frontières des pays, ces frontières qui sont des acquisitions de la colonisation. Mmh. Une année après, à la conférence de Caire, c'est-à-dire en 1964, ils confirment aussi que l'intangibilité des frontières est une donne qui ne sera jamais, alors jamais, mise à l'écart lorsqu'il s'agira des intérêts entre pays. Donc, si aujourd'hui M. Kagame veut remettre ce dossier sur la table, arguant que de part et d'autre, c'est-à-dire en RDC et en Ouganda, on retrouve des populations Tutsi, et que cela justifierait l'élargissement des frontières ou des terres qu'on aurait pris au Rwanda, mais alors il faut que la RDC aussi réclame des terres, n'est-ce pas, au Congo-Brazzaville, parce que nous avons des Bakongo qui sont là-bas, qu'on appelle des Lari. Alors il faut que la RDC demande aussi des terres en Zambie, là où il y a les Babemba, qui sont aussi en RDC. Alors il faudrait aussi que l'on puisse aller au nord pour demander à ce que nos frères soudanais, qui sont dans la province de l'Ituri, c'est une race soudanaise dans la province de l'Ituri. Pourquoi cette suprématie de Kagame sur nous? Pourquoi cette facilité à Kagame de pouvoir nous taper à tout moment comme ça? Non, monsieur Peter, ce n'est pas une... C'est parce qu'on est faible aujourd'hui devant Kagame, ce n'est pas une suprématie, c'est une mauvaise éducation. Il ne faut pas, si vous avez un voisin qui chaque matin se réveille, vous insulte, a des propos discourtois envers vous, appelez ça de la suprématie. C'est de la mauvaise. Il entre, il tape chez moi, il part. Il y a derrière une partie de mon passé, lui appartient. Il aimait les gens. Non, mais attendez. On est faible aujourd'hui sous Tshisekedi. Non, mais attendez. Où sont ces gens aujourd'hui? N'est-ce pas qu'ils sont partis? Ils sont partis où? Ils ont quitté le territoire congolais. Non, ils sont toujours. Ils sont en train de quitter. On parle qu'ils vont être au Maniema. On va la cantonner au Maniema. Non, mais attendez. Il y a des nos frères, M. Peter, qui ont trahi la cause et qui ont rejoint l'ennemi. Ils sont des Congolais, mais qui ont servi sous les bottes, n'est-ce pas, des RDF. Ceux-là, allons-nous les jeter dans la mer? S'il faut les réinsérer, il y a d'autres qui sont du Congo central, d'autres du Bandundu, d'autres du Kasaï, d'autres du Kivu, d'autres du Maniema, d'autres encore de l'Ituri. S'ils font un mea culpa et entrent dans le processus de désarmement et de réinsertion, nous allons les désarmer, ensuite les réinsérer dans leur milieu naturel. Est-ce que ce n'est pas une erreur pour Félix Tshisekedi de faire de Kagame son frère? De le prendre, de partir manger là-bas, de l'amener ici. On l'a vu au stade des martyrs, tout l'UDP est en train de scander Yona Nyobo ya Kagame. Aujourd'hui, Kagame devient l'ennemi du Congo. Est-ce que ce n'est pas la stratégie Tshisekedi UDP qui nous a emmenés dans ce bourbier? Moi, j'aime bien l'histoire pour justifier le comportement des gens, parce qu'elle a tendance à bégayer. Rappelez-vous, lorsque Hitler décide d'envahir l'Europe, il commence par les pays qui sont proches de l'Allemagne. Ils commencent notamment avec la Pologne, l'Autriche et Hongrie, etc. Mais en ce moment-là qu'il attaque l'Europe, il se fait ami à Staline. Mais une année après, il attaque Saint-Pétersbourg, qu'il met en blocus pendant une année. Est-ce qu'on va dire qu'il a attaqué Saint-Pétersbourg parce que Staline lui a donné son amitié? C'est parce qu'il est fourbe. Il a été fourbe plutôt. C'est la même chose. Lorsque Jésus partage son repas, le jour de la scène, avec Judas, il partage avec lui le même plat. Est-ce que c'est parce que Jésus a ainsi donné son plat à Judas que ça a donné à Judas lieu de le trahir? Il ne faut pas qu'on ait l'habitude de justifier les mauvais comportements de certains par la clémence, le souci d'ouverture de nous, les Congolais. Nous sommes foncièrement, nous, Congolais, des hommes appelés à fédérer l'Afrique centrale. Ce qui fait que nous sommes le seul peuple de l'Afrique centrale qui
avons l'habitude d'accepter l'autre. Mais ce n'est pas de notre faute si cet autre ou ces autres que nous acceptons finalement viennent nous poignarder. Oui, mais à cette époque, les gens alertaient déjà des Tshisekedi que Kagame n'est pas un homme qu'il fallait faire confiance. Oui. Mbandéoué m'allait loin jusqu'à dire que Tshisekedi est en train de vendre le pays en allant chez Kagame, en amenant Kagame au Congo. Mbanda alerté plusieurs fois. Non, vendre le pays, ce n'est pas ce que le chef de l'État a fait. Le chef de l'État. Faire de Kagame son frère, emmener Kagame ici. Attends, s'il te plaît. Faire de quelqu'un un frère, ce n'est pas un acte alchimique. On peut appeler quelqu'un un frère, ce n'est pas interdit. Les conséquences, c'est la turpitude de Kagame. C'est ce qu'il faut condamner. Moi, je me demande pourquoi les Congolais condamnent le fait que le chef de l'État ait dit finis avec toutes ces guerres. Parce que le chef de l'État contre Kagame est tiré dans ses dépôts. Il a fait de lui son frère. Il l'a emmené ici à Kinshasa, ovationné au stade de martyrs. Le chef de l'État a amené les M23 ici. Ils ont signé des accords. Non, ça c'est faux. En tout cas, beaucoup d'acteurs politiques ont confirmé. Quel acteur a confirmé? Mbata. Mbata à la RTNC. Il a confirmé. La bonne foi. Ils ont signé quoi? Non, monsieur, il ne faut pas raconter les histoires. La vidéo existe. Non, non, il ne faut pas. Le professeur Mbata, je le cite, à la RTNC, reconnaît que les M23 étaient ici pour négociation, mais ils ont été de mauvaise foi. Parenthèse fermée. S'ils sont de mauvaise foi, bon, sont de mauvaise foi. Ça, c'est la vérité. C'est l'histoire. Non, c'est des actes. Vous savez, c'est des actes qui ont été posés dans le passé. C'est comme ça que. Vous avez dit une chose très importante ici, qu'il faut tenir compte du passé pour. Non, oui, mais monsieur Peter, alors, vous savez. Ces actes-là, laissez-moi vous poser la question. Je vous en prie. Ces actes-là posés par le président de la République, de se faire ami à Kagame, de l'amener à Kinshasa, ovationné au stade de martyrs, de prendre le M23, de les amener à Kinshasa, de négocier avec eux. Et puis après, ça capote. Jusqu'aujourd'hui, les Congolais ne savent pas. Moi ça. Parce que les négociations. Les Congolais ne savent pas. On a signé quoi avec Kagame? S'il vous plaît. Les Congolais n'ont pas besoin de se soucier. Parce que les signatures qu'il y a eu entre notre pays et le Rwanda sont connues. Parce que lorsqu'on les a abrogées, elles ont été listées. C'est des contrats liés à l'exploitation mutuelle de l'or. C'est des contrats liés au survol de notre territoire par Rwandair. C'est des contrats sur l'abolition de la double imposition parce que nous avons des frères qui commercent avec le Rwanda. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose. Mais autre chose, ah non, quoi? Bissele nous a dit qu'on est allé donner nos minéraux au Rwanda pour que le Rwanda vende pour nous. Non, on s'est privé du président de la République. C'est entre autres choses qui a permis, qui a poussé à ce qu'on puisse l'interpeller pour lui poser la question sur ses propos. Donc, par rapport à ça, nous devons réfléchir et comprendre que en aucun moment nous avons eu à céder un quelconque pouvoir, une quelconque parcelle de notre pays à un voisin. C'est des contrats très clairs et sûrs. Maintenant, en ce qui nous concerne comme population congolaise, nous n'avons pas aujourd'hui à chercher l'ennemi dans nos rangs, si ce n'est ceux qui ont accepté de prêter le flanc à ceux qui sont en train aujourd'hui de servir de supplétif au RDF, mais nous avons plutôt intérêt à nous concentrer sur l'ennemi que nous voyons qui s'appelle Paul Kagame. Il n'y a pas de réflexion là-dessus, il n'y a pas d'atermoiement. Il est devenu ennemi quand? C'est ça la question. Il est devenu ennemi. Parce qu'il était ami et frère. Oui. Quand est-ce qu'il est devenu ennemi? Mais mon cher Peter, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Même un frère avec qui vous avez partagé la même couche, n'arrive-t-il pas qu'il puisse vous trahir? Pour des raisons. Bien plus fort. Voilà. Pour certains, mais lesquelles, voilà. Nous voulons savoir. Je vais vous le dire, ces raisons. Ces raisons sont, entre autres, le fait que le Rwanda avait toujours souhaité continuer à exploiter de manière illicite les richesses de la RDC. Parce que comment vous allez expliquer, M. Peter, qu'un pays qui n'a pas de coltan en devienne premier producteur pendant plusieurs années? Ça étend tout le monde. Comment vous allez expliquer qu'un pays qui n'a pas des mines d'or puisse en devenir premier producteur de l'Afrique centrale et signer des deals avec le Qatar? Comment vous allez expliquer les traversées de nos frontières qu'il y avait avec les contrebandiers qui exploitaient les minerais de notre pays et allaient les vendre au Rwanda? Lorsque le chef de l'État décide finalement de mettre un terme à tout ça, en commençant par établir l'état de siège, puis ensuite à demander à ces différents groupes armés de déposer les armes, et pour ceux qui le voulaient bien, de négocier avec le gouvernement à Nairobi, c'est là que le problème a commencé. Parce que notre frère habitué à la contrebande se dit, là mon deal est foutu. Parce que je ne peux pas faire du profit lorsque je dois signer des contrats de manière légale. D'accord. Moi je suis habitué
à la contrebande. Ce gars est en train de bousiller mes cartes. Et vous avez vu, la conséquence est que d'une part, il y a eu amélioration des recettes de la province du Nord-Kivu, parce qu'il y a eu justement cette porosité des frontières qui a été maîtrisée. Et ensuite, il y a eu des baisses drastiques dans les recettes de ce pays. D'accord. Voilà. D'accord. Je vais y revenir. C'est Raymond Sénépo. On parle avec Kagame, on parle avec le M23. La guerre éclate. Aujourd'hui, il y a l'EAC. Pour beaucoup de Congolais, les Congolais ne comprennent pas pourquoi les FRDC ne peuvent pas loger là où il y a les forces de l'EAC. Et les M23 disent clairement que si les FRDC viennent, ils vont nous faire la guerre. Il faudrait que ce soit les forces régionales qui soient là. Est-ce que les forces régionales viennent pour une zone tampon? Et ils parlent même de continuer les poursuites des négociations avec les M23. Pendant que le président de la République avait dit dans les médias que lorsque la force régionale arrive, c'est pour traquer les M23. Mais ils sont venus pour négocier. Alors certains se posent la question, vous qui êtes un peu dans les secrets de chef, dites-nous, est-ce que cette partie nous appartient toujours quand c'est entre les mains de l'EAC? Quand est-ce que les FRDC vont revenir en force là-bas et que l'EAC prenne leur cliquet-clac et qu'ils rentrent chez eux? D'abord, je ne suis pas dans le secret du chef. Le chef n'a... Donc on vous voit souvent le avec chef, le président de la République qui vous reçoit assez le souvent. Le chef n'est dans le secret que de celui qui l'a mis au pouvoir, c'est-à-dire le peuple et Dieu. Je peux vous dire, M. Peter, que toute cette partie du territoire reste et restera pour la République démocratique du Congo. Les forces de nos pays frères qui sont venus pour appuyer le départ de ces militaires bandits du M23 et leurs amis terroristes des RDF sont venus pour faciliter ce départ avec l'autorisation du gouvernement congolais. Il n'y a pas un seul endroit où un pays membre de l'EAC a déployer ses troupes sans que le gouvernement congolais n'ait donné son accord. Tout ça est repris dans le document signé qui s'appelle la SOFA, que vous pouvez consulter au niveau du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense. D'accord. Maintenant, ce que le 1-23 dit, que les FARDC ne doivent pas venir ici, ça ce sont les propos d'un enfant bandit, d'un voyou qui ne peuvent pas nous concerner. Ils sont en train de dire parce qu'ils ont la honte d'avoir été chassés par toute l'Afrique et par toute la sous-région. Ils sont comme des enfants sans parents. Ce n'est pas les FRDC qui nous ont chassés, c'est les FRDC qui viennent négocier avec l'M23. Non. On leur supplie d'aller au Manila. Mais attendez, on ne les supplie pas. C'est la condition de notre pays. Nous disons, pour votre désarmement, pour entrer dans le processus, on vous demande d'aller. Les centres sont prévus à Kindu, dans le Maniema. Parce que vous ne pouvez plus être proche. Nous, on revient quand sur ce territoire? Les FRDC. Voilà. Ils rentrent quand sur ce territoire? Il y a une réunion qui est prévue. Je pense malheureusement que ça a été renvoyé à. Ça a été renvoyé à la réunion avec les. Semaine pour permettre justement de délimiter tout cela et de donner la possibilité à ce que, quand tous ces groupes terroristes vont partir, nous allons récupérer quand le terrain. Quand maintenant, M. Peter, pour vous dire le sens positif de cela, c'est quoi? Parce que ce que vous dites est vrai. Les populations se demandent, pourquoi tout ça? Pourquoi notre armée n'a pas bouté ces gens dehors? Voilà. Pendant qu'on n'a même plus d'embargo. Monsieur Peter, on va acheter seulement les armes FRDC à Bengali Bango. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Peter, laissez-moi vous dire que il n'y a pas meilleure fin pour une guerre qu'une guerre qui se termine sans mort. Parce que nous avons l'habitude, assis dans nos salons, de dire mais il y a des soldats qui vont mourir. Ces soldats sont parents, frères, cousins, cousines, sœurs de certains Congolais. Nous ne pouvons pas accepter à ce qu'un seul de nos compatriotes puisse mourir là où nous pouvons lui éviter cette mort. Lorsque le Congo réussit à atteindre l'objectif, c'est-à-dire libérer nos territoires de ces terroristes, sans qu'il y ait le sang qui coule. Ok. C'est une bonne chose. Voilà, nous sommes toujours en direct, fidèles téléspectateurs. Petit bémol technique, petit souci rapidement réglé par nos techniciens. Thierry Monsenet, pour ma question, était celle de savoir
Comment Kabila a fait avec Mamadou Ndala pour chasser les M23? Kabila a fait quelle magie pour qu'aujourd'hui, Tshisekedi nous ramène 4, 5, 6 pays, mais qui n'arrive toujours pas à déloger ces gens, où on parle des négociations, tantôt ils veulent partir, tantôt ils ne veulent pas partir. Mais hier, avec Kabila, avec Noé, FARDC, et je crois la brigade d'intervention de la MONUSCO, on les a tapés vite fait. Comment ça s'est passé? Comment ça s'explique? Vous savez, M. Peter, vous avez fait les grandes études, vous êtes un journaliste chevronné, vous avez fait les humanités littéraires, vous savez la phrase importante de Rome à l'époque, « Carthago delenda est ». C'est-à-dire que Carthage était tellement en train de déranger Rome sur plusieurs années que finalement, Rome avait dit « il faut détruire Carthage ». Je ne dis pas ici qu'il faille détruire le Rwanda, mais c'est pour vous dire que lorsqu'on ne s'attaque pas à la cause profonde de la chose, le problème revient toujours. Parce que vous avez très bien dit qu'avec Mamadou Dalla et la brigade d'intervention, nos FARDC dans l'opération Pomme-Orange ont réussi à mettre fin au M23. Mais bien avant ça, il y avait le CNDP. Bien avant ça, il y avait Laurent Kunda. Bien avant ça, il y avait... Donc c'est pour vous dire que ce n'est qu'un même serpent qui a plusieurs têtes. Et ce serpent aujourd'hui, nous l'avons découvert de manière ouverte, c'est le Rwanda. Parce que jusqu'à il y a peu, il se cachait. Il se cachait pour dire, c'est des Tutsis que vous martyrisez, c'est ceci, cela. Le prétexte de Kagame. Mais aujourd'hui, grâce à cette diplomatie menée par le président Félix, on arrive à découvrir finalement que c'était toujours lui. Et qu'à chaque fois, il utilisait... Dans un petit film, il y a Schwarzenegger. Le film Moro, il s'appelle Commando. Le film Moussous, il s'appelle Johnny. Film Moussous, Predator. Predator. Mais alors que c'est le même individu. Kagame. C'est toujours lui. Aujourd'hui, on a découvert que c'est lui. Donc, nous devons, nous tous, Congolais, nous mettre en tête que tant que nous n'allons pas régler le problème Kagame, je ne parle pas du problème rwandais parce qu'il n'y a aucun problème entre nos populations et les populations. C'est Kagame et son régime, en fait. C'est Kagame et sa clique. Même pas le régime, parce qu'il y a d'autres qui, dans ce régime, disent non à tout ce qui se passe. C'est lui et sa clique qui sont à la base de tout ce qu'on est en train de vivre ici. D'accord. Donc il faut d'une part que nous-mêmes, on puisse se renforcer d'abord. Mais qu'est-ce qui nous manque pour organiser notre armée? Voilà. Récemment, on avait... D'accord. Bonne question, M. Peter. Le premier problème, ce sont les hommes. Nous, les Congolais, nous n'acceptons pas d'aller servir sous le drapeau. C'est vrai que les conditions que le gouvernement met en place pour les militaires ne sont pas alléchantes, même si aujourd'hui, il faut quand même reconnaître le fait que la loi sur la programmation militaire est une loi importante qui va donner beaucoup plus de moyens à nos hommes de troupes. Mais on ne peut pas comprendre un pays de 2 345 000 km² puisse avoir une armée de 100 000 hommes. Nous devrions normalement avoir une armée d'1 million d'hommes pour permettre à ce qu'on puisse réellement... Mais est-ce que c'est le nombre de personnes? Le Rwanda n'a pas 1 million d'hommes. Non, mais pas... attendez, justement... C'est pas justement. La logistique, non, c'est pas le traitement des militaires. Je suis en train d'y aller. D'accord. Premier élément, c'est cela. C'est-à-dire qu'il nous faut davantage d'hommes pour qu'on puisse avoir une armée réellement en grand nombre. Okay. Deuxièmement, nous avons eu un budget très bénin en ce qui concerne l'armée et la sécurité de notre pays, pendant plusieurs années. Et cela, c'est aussi à cause des ajustements structurels. Lorsque nous étions, à l'époque, sous des gros endettements, il fallait consacrer le meilleur de notre fonds pour l'éducation, pour relancer l'économie, pour maîtriser l'inflation, et etc. Tout ça a fait que nous avons à chaque fois minoré le coût d'investissement pour notre armée. Aujourd'hui, avec cette loi, ça permettra à ce qu'on atteigne pratiquement le milliard pour l'achat, l'équipement, la mécanisation de notre armée. Troisième élément, c'est tout ce qu'il y a eu comme brassage et mixage. Le chef de l'État l'a dit, c'est à ces occasions-là que l'ennemi profite pour nous insérer dans nos troupes les chansons dans le fruit et qui plus tard, non seulement vendent nos positions, mais aussi discréditent tout ce que nous faisons. Donc tout ça a permis à ce que nous puissions devenir de plus en plus faibles. D'accord. Mais aujourd'hui, cette armée se relève parce que si
elle n'était pas forte. L'armée se relève pendant qu'on a appelé d'autres. Goma serait tombé. Donc on dit que Goma n'est pas tombé pour les EAC. Goma serait tombé. Ni c'était l'EAC, les forces de l'EAC, Goma serait déjà tombé. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Toute armée, aujourd'hui dans le monde entier, vous n'allez pas me citer une seule armée contemporaine à la nôtre qui a gagné une guerre seule. Citez-moi une seule. Oui, même les États-Unis. Mais vous avez même 20 ans pour prendre pour même les États-Unis. On est à la première puissance militaire mondiale, elle a eu besoin des alliés pour aller combattre les talibans en Afghanistan. En dehors, pas chez vous eux. Venez. Non. Lorsque vous attaquez les Américains, ils ne vont pas appeler les ils vont d'abord vous taper. S'il vous plaît. C'est-à-dire que ici, nous sommes dans des guerres asymétriques. Non seulement que il y a du terrorisme dedans, ce n'est pas pour rien que tout un gouvernement comme le nôtre va venir vous dire que nous sommes dans les cas d'une des éléments terroristes. D'accord. Et au-delà de cela, il y a aussi ce besoin de structuration de l'armée qui a enfin commencé sous le président Félix Tshisekedi. Thierry Monsenet, pour beaucoup de Congolais pensaient que ce moment aussi serait un moment pour Félix Tshisekedi d'appeler à l'unité, à la cohésion nationale, pour que tous les Congolais soient derrière, parce que le pays est agressé, des pas entiers occupés. Mais c'est le moment où c'est la guerre de positionnement. C'est le moment où l'insulte a pris de la place. L'intolérance et le fanatisme ont accru. Lorsqu'on regarde l'espace politique aujourd'hui, il y a plus la place à l'insulte plutôt qu'à la réflexion. C'est plus les Thierry Monsenet pour qu'ils soient en vogue ou qui, avec ses cheveux blancs, qui réfléchissaient beaucoup. Mais c'est des gens qui ont l'insulte facile, qui passent dans les médias pour insulter la maman de l'autre, le papa de l'autre, la tête de l'autre. Lorsque vous voyez cet environnement, aujourd'hui, on a vu Mao, je crois, le général tchèque, un étudiant pour l'histoire, où on a un problème, mais puisqu'il y a l'occupation de l'étranger, des Japonais, on met nos différents de côté, on se met ensemble pour bouter hors l'ennemi. Aujourd'hui, Karim, il se joue avec nous, mais on voit que le régime Tshisekedi dans lequel vous êtes est plus concentré à insulter, à attaquer, à emmener des propositions qui divisent plutôt qu'il devait unir pour des besoins électoralistes. Est-ce que le pays n'est pas aujourd'hui en train de partir vers son implosion en lieu de place d'être uni pour faire face à un danger qui guette? C'est-à-dire la balkanisation même du pays, Thierry Monsenet. Je ne serai pas aussi défaitiste que vous pour dire que le pays est en train d'aller vers l'implosion, ce qui n'arrivera pas, je le souhaite. Mais en ce qui concerne les insultes et les propos déplacés, je peux vous dire, M. Peter, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, vous ne pouvez accepter ce genre de choses. Mais cela est dû à quoi? Cela est une crise de société. Cela est dû au fait que nous tous, nous acceptons ce genre de choses. Nous acceptons la médiocrité. Qui sont nos références aujourd'hui en termes sociétal? Quelle est l'image que nous reflétons lorsqu'il s'agit des leaders d'opinion de notre pays? Quel est le choix de l'homme congolais type que nous avons dressé comme portrait robot? L'élite. Quelle est la place que nous avons donnée à ceux qui doivent guider nos sociétés en termes de pensée, en termes de stratégie, en termes de comportement? C'est cela aussi le problème. Parce que ceux qui nous dirigent ne viennent pas de la Lune. C'est des gens qui sortent des mailles de nos sociétés. Donc, les tares et les qualités que nous pouvons avoir en tant que peuple, nous n'allons que les retrouver au sein de nous autres ici qui sommes la classe dirigeante. Nous n'allons pas nous dédouaner parce que nous venons justement de ces tares-là. Donc, la décision de casser avec cet élan, ça doit être une décision de tous. Que vous, les médias, vous commenciez à refuser de donner le micro à ceux qui insultent. On n'a jamais vu dans un seul média quelqu'un qui est chassé du plateau parce qu'il a tenu des propos discourtois. Mais plutôt, à la recherche du buzz, à la recherche du sensationnel, à la recherche du besoin d'insultes, on se permet de donner la parole à ce genre de quidam. Et voilà comment est-ce que la société, malheureusement, est désorientée. Nous saluons par contre les lois telles que la loi Muyaya, qui aujourd'hui permet de réguler le secteur de la presse. Mieux que la loi de 96 ne l'a fait puisqu'elle était devenue obsolète. Nous félicitons la loi sur le numérique
sur proposition du ministre Béran. Oui, avec un article controversé. Qui s'est pour certains réduit un qui peu aujourd'hui va permettre, la liberté. Qui aujourd'hui va permettre de casser le libertinage. Mais voilà. Que l'on commençait, je On parle de libertinage. On y est. Le libertinage, c'est le fait que restriction moi, des libertés. C'est le fait que moi, je peux me réveiller le matin, je traite M. Peter d'un nom d'animal, et que cela puisse être relayé. Mais on voit les gens le faire, et on appelle la cela, et on a, mais il ne faut pas accepter ça, que ce soit de la majorité ou ailleurs. Mais je vais vous faire une révélation. Que ce sont ceux qui sont à la majorité qui sont le plus insultés, moi qui suis en face de vous. Est-ce qu'il est même arrivé un seul jour où je ne suis pas insulté? Si ce n'est la couleur de mes cheveux, c'est la forme de ma tête. Des cheveux blancs. Si ce n'est la forme de ma tête. Bon, ça fait partie de votre charisme, tout le monde le sait. C'est le fait que je sois un vieux jeune à la ligue. Donc, c'est pour vous dire que cette pratique doit s'arrêter. Maintenant, la loi Tiani, puisque vous faites allusion à cette loi. On y est. Je pense qu'il faut faire une distinction entre le débat démocratique et le débat d'individu. Okay. Ce que moi, je n'accepte pas, c'est qu'on commence à utiliser une loi pour attaquer des individus. On a suivi notre famille, par exemple. On peut ou ne pas aimer. La maman de Katumbi. Non. Ça, c'est des choses. Zambienne. Elle était domestique. Inacceptable. Katumbi, sa tête a la forme de l'être mouillant, voit la tête de Polonais. Non, ça, c'est des choses. Comment nous en sommes arrivés là? Ça, c'est des choses. Demain, les gens vont dire la maman de Tshisekedi est angolaise. Non, la maman de Monsenepou est d'origine gabonaise. C'est des choses inacceptables. On ne peut pas accepter que nous puissions construire une société de valeurs avec de tels propos subjectifs. Il un faudrait député même est allé dire les Katangais de basse classe. Il faudrait que nous allions vers les Katangais de basse classe. Le peuple qui vous élit, c'est un peuple de basse classe. Ce n'est pas acceptable. Voilà où vous nous emmenez aujourd'hui, Thierry. Pire, j'ai même entendu des gens dire que les Katangais ont détruit ce pays. Ont détruit ce pays. Je peux vous dire, quelle M. Peter, stigmatisation. Que celui qui détruit le pays, celui qui construit le pays n'a plus d'appartenance géographique. En ce qui me concerne, je pense même qu'il faut que lorsqu'on va éditer nos cartes d'identité, qu'on enlève ces histoires de provinces d'origine. De provinces d'origine des tribus. Ce n'est pas normal que nous puissions dire aujourd'hui que ce pays est construit grâce au Basakata, grâce aux gens du Bandundu, grâce au Bakongo. Non, c'est des Congolais qui ont construit ce pays. Si quelqu'un a fait une gaffe quelque part, avant d'être Yanti ou Mutetela, il est Congolais. Lorsqu'il a eu cette fonction, lorsqu'il a eu cette responsabilité, c'est en tant que Congolais. Donc le débat ne doit pas être subjectif. On peut ou ne pas aimer M. Katumbi. M. Katumbi est Congolais. Il a été gouverneur dans ce pays. Il a dirigé une province. Il est aujourd'hui parmi les acteurs politiques de renom de ce pays. Lier sa personne à cette loi, c'est une erreur scientifique. Par contre, condamner le fait que d'autres Congolais réfléchissent pour mieux sécuriser certains postes de responsabilité de leur pays, ce n'est pas interdit non plus. Ça s'appelle de la démocratie. Okay. Parce que sous notre ciel, aux États-Unis, le poste de président de la République est verrouillé par le droit de sol. Mêmement au Sénégal, par le droit, par l'appartenance à la nationalité sénégalaise en étant de père et de mère sénégalais. Mais chez nous, si les Congolais réfléchissent dans ce sens-là, qu'on laisse la démocratie évoluer, mais que l'on cesse de stigmatiser les uns et les autres. Okay. Parce que s'il faut trouver des moyens de discréditer X ou Y, chacun dans son camp a des éléments pour discréditer l'autre. Moi, aujourd'hui, ne suis-je pas discrédité puisque j'ai des cheveux blancs à la tête d'une ligue? C'est pour vous dire que lorsqu'on veut trouver des cheveux, des poux dans votre tête, on va vous les chercher et vous les trouver. D'accord. Je pense qu'il faut rendre les choses scientifiques, ne pas stigmatiser M. Noël Tiani, puisqu'il a réfléchi à une possibilité de verrouiller une loi, un poste important de notre pays, parce que nous sommes parmi les rares pays au monde qui subissent des dangers existentiels en tant que pays. Donc ce n'est pas mauvais de verrouiller. Mais les dangers dont on fait allusion, Thierry Monsenepou, c'est surtout dans l'Est, l'infiltration avec le Rwanda. Mais quand on stigmatise le métier, là on fait allusion à Noël Tiani, vraiment, qui lui-même, même certaines personnes qui prenaient quand même sa démarche au sérieux,
Après, il s'est lui-même vautré dans un acharnement à l'égard. Non, c'est une mauvaise approche. Il a dénaturé même sa propre loi. C'est une approche anthropologique condamnable que nous ne pouvons pas appuyer. De la majorité, de l'UDPS même. Que nous ne pouvons pas. Quelqu'un, je ne vais pas citer son nom ici parce que c'est un député de l'UDPS qui me dit Yemro Noël Tiani a banni ma camionne bien, toujours soutenir. Mais après, je pense qu'il ne faut pas voir cette loi à l'aune de ce qu'on peut appeler dérapage de la part de notre frère. Il faut plutôt voir ça dans le sens du souci d'un Congolais qui se dit que mon pays a souvent été menacé de balkanisation et que par ce fait, si un jour nous avons un président qui a un amour partagé, comme on a vu le cas au Liban. Vous savez que le Liban aujourd'hui, s'il souffre autant, c'est à cause, entre autres, de la crise institutionnelle qu'il y a eu avec la démission de M. Hariri comme Premier ministre. Une démission faite en Arabie Saoudite, terre de sa mère, alors qu'il est Libanais de par son père, et que même l'aura politique qu'il a, c'est par rapport à son père qui était le Premier ministre libanais qui avait été assassiné par attentat. Rafik Hariri. C'est pour vous dire oui. C'est pour vous dire que Saad Hariri, c'était son père. C'est pour vous dire que Noël Tiani a réfléchi dans ce d'accord, sens-là. D'accord, c'est mentionné. Mais les dérapages, non. La loyauté peut se mesurer par la couleur de la peau ou du sang. Quand, par exemple, Willy Ngoma, de père et de mère congolais, est aujourd'hui avec le M23 en train de nous narguer. Il m'a même deux fois tagué sur Twitter. Un jour, je lui ai dit, est-ce que tu es content, heureux de faire couler les sangs de tes frères en pactisant avec l'ennemi, parce que l'ennemi de ce pays s'appelle Kagame, c'est connu de tous. Mais il est des pères et de mères congolais, pendant que quelqu'un qui a payé de sa vie, Mamadou Ndala, d'un parent sénégalais et d'un parent congolais, mais il a accepté de mourir pour le Congo, mais un père et mère congolais et avec le M23. Est-ce que ça s'identifie la loyauté d'un pays par la couleur de la peau ou par le sang, ou est-ce que c'est du patriotisme dans le cœur? Vous savez que M. Arnold Schwarzenegger, qui a été parmi les grands gouverneurs du Texas, oui, ne peut pas devenir président des États-Unis parce qu'il n'est, il est exclu par la loi de sol. Parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire que aux États-Unis, on ne va pas dire qu'il est moins américain. Non, parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. S'il vous plaît, il est naturalisé américain. Mais parce que, ils ont fait cette restriction au droit de sol. Tout à fait. C'est la même chose chez nous. Lorsque M. Tiani dit qu'il faille protéger, c'est parce qu'on se bat sur des présomptions. On se bat sur des présomptions. On se dit que celui qui est de père et de mère, même s'il commet une gaffe, il finira par entrer ici. On sait où on va l'avoir. Parce que, justement, le danger, c'est d'avoir un sentiment partagé. Dans ce pays, on a connu ça. Rappelez-vous du ministre de Mobutu, Lossembe Cardozo, qui a volé l'argent ici, lorsqu'il fallait qu'à l'époque du Zaïre, on l'arrête. N'est-ce pas qu'il a pris l'avion pour aller se réfugier en Portugal? Regardez ce qui se passe au Japon. Ils ont confié la gestion de la plus grande entreprise automobile là-bas à M. Carlo Ghosn, qui, après avoir détourné de l'argent, s'est enfoui dans des valises pour se retrouver au Liban. Mais vous ne répondez pas à ma question, sur Mamadou Ndala et Willy Ngoma. Voilà. Vous ne répondez pas à ma question. Non, c'est pour vous dire qu'il y a des cas comme ça, comme par exemple, il y a des Congolais que moi je connais qui, à 18 ans, réfléchissent plus que même moi, vous et tout le monde ici réunis. Okay. Mais qui n'a pas le droit de devenir candidat président de la République parce que la loi dit qu'il faut avoir 30 ans révolus. Vous comprenez? Est-ce que ce Congolais-là va dire qu'il est moins intelligent que celui de 30 ans? C'est sur base de l'expérience. Je peux l'emmener ici. C'est sur base de l'expérience. Mais ça se justifie. Qui vous dit qu'un enfant de 25 ans ne peut pas voir mieux? Attends, vous avez un gars de 30 ans. Ça se justifie. Attendez, vous avez un gars de 30 ans qui n'a ni étudié ni travaillé. Il n'a fait que rester sous un manguier toute sa vie, jusqu'à 30 ans. Par contre, vous avez un gars de 25 ans qui a fini ses études normalement à 22 ans, licencié. Il travaille pendant 3 ans dans une banque, il a une expérience, mais il ne peut pas devenir candidat président de la République. Oui. Qui a plus d'expérience? Oui, parce que ça veut dire que ça, c'est des cas que vous prenez. Dites-moi, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Le législateur. Vous ne pouvez pas répondre à mes questions. Non, mais le législateur, c'est pour on vous dire. C'est pour vous dire. J'ai réfléchi avec vous. C'est pour vous parce dire que vous êtes intelligent. C'est pour vous dire quoi? On réfléchit. Que la présomption peut exister dans le sens que, certes, nous avons des cas où des Congolais qui n'ont pas été de père et de mère. Oui. Ont sauvé la nation. Oui. Autant que nous avons des Congolais de père et de mère qui ont détruit, mais pourquoi ne pas protéger? Par présomption. Justement, c'est ça. Vous comprenez. Vous comprenez. Ce n'est pas interdit. À comparer Ada Bombolé ou même à comparer Bemba Saolona, le père
Justement, nous allons nous perdre si nous continuons à rendre le débat subjectif. J'ai toujours eu du mal, moi, à citer le nom de Dieu. Vous prenez Noël Tchani, vous prenez Bemba Sao Luna, d'origine portugaise d'un côté. Lorsqu'on regarde dans le sens du patriotisme du Congolais, qui a été plus au service des Congolais dans ce pays? Mon cher frère, si on continue avec les subjectivités, nous allons nous perdre. C'est Noël Tchani qui nous emmène dedans. Hein. Mais seulement, non. Les exemples sont légion. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut éviter, syndicat de Colo. Il faut éviter la subjectivité. Mais par contre, tous les Congolais sont unanimes sur le fait que il est important que lorsqu'on est président de la République, de ne pas avoir de sentiments partagés. Dans un pays où il y a eu des menaces de balkanisation et qui continuent à perdurer. Parce que celui qui est de père et de mère congolais, nous savons où l'avoir. Aujourd'hui, notre ancien président Joseph Kabila, il est de père et de mère congolais. Après son mandat, il est resté où? On sait où il habite. Nous savons aujourd'hui, si on a des questions à poser, où trouver Kabila. Okay. Mais si, par contre, il était japonais-congolais, il serait peut-être rentré dans une forêt au Japon. Ah, Kabila est de père et de mère congolais. Oui, bien sûr. Ah, très bien. Vous l'aurez retrouvé où? Ah, très bien. Vous l'aurez retrouvé où? Si aujourd'hui, nous tous, nous pleurons pour que la dépouille du maréchal revienne ici. Parce qu'il était de père et de mère congolais. Okay. Nous nous disons, il a peut-être fait des erreurs. Oui, c'est un humain. Il a aussi fait des bonnes choses. Parce qu'il est notre frère. Pour beaucoup, c'est par manque de bilan que le régime Tshisekedi instrumentalise Noël Tchani pour créer une diversion. Parce que nous avons à la tête du pays un Congolais de père. Bon, de père et de mère. Bon, lui-même, le président, avait dit que sa mère est d'origine angolaise. Mais nous, nous estimons qu'il est de père et de mère. Mais le Congolais de père et de mère a géré le pays. Mais on dit, si on regarde du bilan, le bilan, il est tellement catastrophique aujourd'hui qu'il est difficile à défendre, qu'il fallait créer des diversions. Nous sommes dans la communication. Et la diversion créée, c'est la loi Tchani. On utilise Noël Tchani pour attaquer Moïse Katumbi. On utilise le pasteur Mukuna pour attaquer Joseph Kabila. Et on utilise des pasteurs kassaïens pour attaquer Mbongo. On crée une diversion. Alors le Congolais ne sait plus savoir par rapport à le manger, le vécu quotidien. Voilà la stratégie tirée mentionnée pour vous en dites quoi. Nous sommes en direct, vous pouvez envoyer des questions. Vous savez, lorsque je vous suis, c'est comme si... Nous sommes en direct, le numéro, j'espère qu'il est là. Lorsque je vous suis, c'est comme si l'Union Sacrée, nous sommes un laboratoire. Un grand laboratoire. Pour organiser, orchestrer la désinformation, là, il y a la désorientation. Mais vous êtes en train de nous donner des pouvoirs qu'on n'a pas. On n'a pas le pouvoir de conditionner la pensée des gens. Monsieur Noël Tchani est un Congolais libre, adulte. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'à son âge, à son niveau d'intelligence, il va être manipulé par nous? Il va être manipulé par une famille politique. Donc, M. Noël Tchani n'a pas suffisamment de matière grise pour décider de par lui-même que je vais orienter les choses de manière à ce qu'on puisse créer une loi pour verrouiller. Ça transparaît que la loi Tchani des Atlantiques est soutenue par la majorité, l'Union sacrée. Je peux vous citer des cas, des gens qui ne sont pas d'accord. Batiloukoué n'est pas d'accord. Mais oui, il est de l'Union Sacrée. Il est membre du président. Les parlementaires debout nous ont dit que Batiloukoué doit rentrer. L'UDPS a un secrétaire général, l'UDPS a un porte-parole. Les parlementaires debout. Il ne faut pas dire lorsque un individu réagit contre quelqu'un que c'est l'UDPS, s'il vous plaît. Les parlementaires debout de l'UDPS. Je peux vous dire, monsieur Peter, que nous ne sommes pas dans le cas. D'accord. On va commencer à conditionner la pensée des gens. Les gens sont libres. Très bien. Lorsque vous avez une loi importante comme celle de Patrick Mouyaya sur la presse, vous n'allez pas dire que c'est une loi qui a été pensée pour désorienter les journalistes, conditionner les médias. Non. Ce métier a évolué avec une loi de depuis 1996. On va gérer ça avec Patrick Mouyaya en coulisses. Donc, il y a des choses à se dire dedans. Donc, comprenez. Comme c'est un ami, un frère et un ministre. Qu'il y a un travail. Je ne veux pas débattre des choses. Fait. Il faut reconnaître la liberté dans la démocratie. Moi, ce qui me choque, c'est d'une part le fait qu'on attaque nos compatriotes, les traitant d'étrangers, les stigmatisant. Je condamne cette façon de faire et je n'accepte pas. D'accord. Deuxièmement, je ne partage pas non plus le fait qu'on note à M. Tchani le droit de penser et d'initier des... Dans le droit de penser, même quand Mwando pense qu'il faut qu'il y ait la sécession katangaise, c'est le droit de penser. Non,
Quand tu dis que les Catalans doivent aussi devenir indépendants, le droit, la démocratie. Malheureusement. Parce que je donne pas du ciseau au Katanga. La démocratie. Le Katanga nourrit le Congo, mais il ne se retrouve pas. Même le Bunga aujourd'hui, maïs, on tue les Katangais, ils sont fatigués, ils disent, bon, faites vos choses, nous allons couper. C'est aussi le droit, aussi ça. La démocratie ne signifie pas que je vienne sur votre plateau, que je me mette à vous insulter. Et voilà. Justement, cela n'est pas acceptable. Voilà. Mais si je dois réfléchir sur une loi pour interdire à M. Peter de prester comme journaliste, où j'initie une pétition, ce n'est pas interdit. Je peux aussi initier une pétition pour qu'une partie du Katanga se détache du Congo. Nous, les Katangais, on dit que vous nous gérez mal, on s'en va. Mon cher ami, est-ce que le Katangais est mal géré? C'est ça la question. Non, on dit que c'est les Katangais qui ont détruit ce pays. Mal géré. On dit que c'est les qui Katangais. A dit, quand on dit, on un dit, député qui a dit. National. Mais attendez, est-ce que vraiment on va réduire notre pays à des propos des individus qui sont tous des Congolais? Oui, mais c'est un député national. Non, mais attendez, député de l'Union sacrée. Ça veut dire, même s'il est de l'Union sacrée ou pas, qu'est-ce que ça a à voir avec la gestion d'une province? Il a dit que c'est les Katangais qui ont détruit ce pays. Non, moi je vous dis, je suis de l'Union sacrée. Oui. Je vous dis que le Katangais... Vous n'êtes pas d'accord avec Timipounoul avec ses propos? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux jamais être d'accord avec ce genre de propos. D'accord. Pour moi, si je suis en face de Peter... Pour moi, l'Union sacrée, des gens qui réfléchissent. Si je suis en face... On ne réfléchit qu'à l'Union sacrée. Si je suis en face de M. Peter Tiani, et que M. Peter Tiani est un... Je peux dire un bandit ou un savant, je ne dirais pas que M. Peter Tiani est un savant du Maniema. Très bien. Ne dirais pas que Peter Tiani est un bandit du Congo central. Je dirais que Peter Tiani est un savant ou est un bandit. Point barre. C'est un Congolais. Point barre. Voilà, il faut qu'on arrête ça. Pour vous, Katoum, si est un Congolais, qu'on arrête cette stigmatisation. Et bien sûr, si on commence avec ces histoires de « le Katangais a construit », mais le Bandundu va dire que c'est nous à qui on a coupé les mains avec l'Équateur pour les champs d'EVA. Pour les champs d'EVA. Pour le caoutchouc. Élevages, pour le caoutchouc. Les gens savent que le Bandundu a souffert. Et que c'est avec cet argent qu'on a construit l'Union minière, du Katanga. Donc... Nous sommes soutenus. Vous connaissez quand même l'histoire de ce pays, les cheveux blancs, bien le cercle. Nous sommes soutenus. C'est important d'avoir les cheveux blancs. Nous sommes soutenus mutuellement dans ce pays pour qu'aujourd'hui on n'ose pas dire que tel est plus important que l'autre. Tel autre. Non. Encore que les minerais que peuvent avoir certaines provinces, les denrées que peuvent avoir certaines provinces, les richesses que peuvent avoir certaines provinces peuvent terminer demain. Tout à fait. Ça, c'est peuvent ne plus être utiles demain. Tout à fait. Mais les autres ont d'autres richesses. Alors, la loi, Tchani, viole la Constitution ou pas, selon vous? Il y a des dispositions de cette loi, malheureusement, qui fâchent certains articles de la Constitution. Mbosso l'a dit. Le président Mbosso, vous allez le suivre tout à l'heure. Le président Mbosso dit, quand nous avons amené cette loi lors de la session passée, le bureau d'études de l'Assemblée nationale qui décide sur des lois qu'on amène avant de les aligner, a estimé que ça fâche la Constitution et a demandé aux autorités de l'Assemblée nationale de rejeter cette proposition. Cette proposition a été rejetée. Mais le président Mbosso dit que sur l'entêtement du député, il a encore ramené la loi. Et c'est comme ça que nous avons pris ça, nous avons classé ça. Est-ce que le président Mbosso a encore la réflexion ou est-ce qu'on a perdu le Nord? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je suis un peu perdu. Je pense que dans tout ce qu'on peut faire, on sait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la plénière qui est souveraine. Donc, la logique serait que la plénière, finalement, décide sur cette question. Oui, mais quand déjà le bureau de l'Assemblée vous dit, selon le règlement intérieur, quand le bureau vous dit que c'est anticonstitutionnel, ça bloque la machine. Il faut. Mais comment? Ça dit, c'est là que Thierry Mosséné pour vraiment. Kabila Bandai Kotia, quand même, au moins, Maïel et Namakama Bandai Kossal, il y avait quand même de l'intelligence. Lorsque le président de l'Assemblée nationale dit à la télévision, du haut de son, du perchoir, que cette loi était venue, mais notre bureau d'études nous a dit qu'elle est anticonstitutionnelle. Je ne vois pas le raccordement que vous faites. Kabila, Mosso, je ne comprends pas. Non. Vous risquez de me faire perdre la diversion. Je vous connais. Je ne vois pas le lien. Vous êtes un professionnel des médias. Je ne vois pas le lien. Je vous connais très bien dans ça. On appelle ce raccordement frauduleux. Ok, ça va. Je vous le concède. Mais comment Mbosso, quand il dit ça à l'opinion, que cette loi nous l'a amené, comme vous l'avez dit tout à l'heure ici, que ça viole la Constitution, on ne peut pas classer ça.
Mais par entêtement des députés, cette fois-ci, on a classé ça. Donc on accepte de classer quelque chose vous de la Constitution. Vous n'êtes que président du bureau. Oui. Mais la plénière, elle est souveraine. Il y a une conférence des présidents qui décide des matières à aligner pour une session. Moi, ça a été instruit. Donc, par qui? De classer ça. Mais comment peut-il classer quelque chose par qui il dont il reconnaît. Il faut poser la question aux députés. Par dont, qui dont il reconnaît lui-même que ça viole la Constitution. Aux députés. Vous allez le suivre, vous voulez le suivre ou... J'ai suivi ces ah, vous avez suivi, hein? Vidéo. Il faut poser la question aux députés, okay. Mon cher frère. C'est une question de démocratie, mais je ne vois pas le lien avec le pouvoir. C'est une question d'une chambre. Qui est Mbosso de pouvoir imposer ça cette fois-ci? C'est ça maintenant. Si nous pouvons nous s'entêter pour imposer à Mbosso, c'est la question entièrement. C'est ce que moi je condamne. On réfléchit à haute voix. Oui, monsieur Peter. Quand je suis en face de j'ai quelqu'un d'intelligent, laissez-moi réfléchir à haute voix. C'est ce que moi je condamne dans ce pays. C'est d'enlever aux gens la liberté de penser, l'intelligence, la sagesse, pour qu'ils ne soient que des vases communicants. Okay. C'est-à-dire que même moi, quand je viens parler ici, il y a un tuyau qui me fait parler tout ce que, qui vient d'un laboratoire. D'accord. Mais c'est insultant. Alors, la liberté de penser me pousse à vous poser la question de savoir, du moment où l'Assemblée nationale avait rejeté au cours de la plénière passée cette proposition disant qu'elle est anticonstitutionnelle au regard du rapport du bureau d'études, comment la même Assemblée nationale, le même bureau, avec le même bureau d'études, avec les mêmes députés, peuvent accepter aujourd'hui ce qu'ils ont rejeté hier? Une très bonne question à poser au président de l'Assemblée, à poser au président de la PAJ et à poser au député Tsingy Pouloulou, qui est à l'origine de cette proposition de loi. Pour beaucoup, Thierry Monsené pour Mende, Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba, Moussa Niamouissi, Jean-Lucien Boussa, Bati Mukwebo, tous près de Fatibe Tomoukwa Tombolo. Vous avez peur, vous tous, d'un seul individu pour lequel vous estimez qu'aller aux élections avec lui, la machine va marcher sur vous, qui est Katumbi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne partage pas du tout cet avis. Pour la simple raison que, contrairement à ce que vous venez de dire, notre bilan n'est pas du tout médiocre, comme vous le dites. Ah, Thierry, nous avons un bilan à présenter. Thierry, vous m'avez posé une question, vous pouvez me laisser répondre. Allez-y. Nous avons un bilan à présenter. Face à ce bilan, nous n'avons aucune peur. Deuxièmement, il ne faut pas lier l'action d'un Congolais avec une famille politique que nous sommes. Est-ce que la conférence des présidents de l'Union sacrée, qui est l'organe qui distille les orientations de marche de notre famille politique, a décidé sur une loi quelconque pour dire que cette loi-là est utilisée pour bloquer un quidam? Pas du tout. Aucunement. C'est un Congolais qui a réfléchi et qui a pensé faire cette proposition ensemble avec un député national. Député pouvait être de l'opposition, tout comme il est de la majorité, ça n'a rien à voir avec la majorité que nous sommes. Troisièmement, M. Moïse Katumbi, dont vous faites allusion, est un Congolais. Il a le droit de se présenter. Mais vous avez perdu lui, il semble. Mais attendez. Il semble. Est-ce que vraiment, sur le plan de la démocratie, on veut parler de peur? Pourquoi on aurait peur? On dit qu'on veut l'empêcher d'être candidat. Pourquoi on aurait peur? Parce que le bilan est compliqué. Pourquoi on aurait peur? Chez moi, ici, au Maïndo, mais on ne le connaît même pas. Ah. De quoi vous parlez? Peur de quoi? Oh, on ne connaît pas Katumbi Maïndo. Je vous dis. Ok. Vous êtes un journaliste. Descendez à Inongo. Allez à Gnocchi ou à Kempimpi, dans la maison de mon père. Allez demander là-bas si on connaît... Moïse Katumbi. On ne le connaît pas. Vous ne voulez même pas prononcer son nom? On le connaît. Je l'ai prononcé plusieurs fois. Ah, d'accord. On ne le connaît pas. Je pensais que vous ne voulez même pas prononcer. On ne le connaît pas. Un peu. J'ai dit un peu. On peut connaître Fayou. Un peu. Mais on connaît Fatih. Ah, mais oui. Fatih Beto. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Il y a même dernièrement un garçon qui est venu au monde qu'on a... à qui on a donné le prénom de béton. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de peur, M. Peter. Parce que le bilan, il est élogieux, votre bilan. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut nécessairement arranger. Et d'entrée de jeu ici, je vous ai dit que les Quinois souffrent d'un sérieux problème de transport, des moyens de communication dans la ville. Il faut régler ça. Okay. Mais cela n'empêche pas de reconnaître ce qui a été fait.
C'est pas parti autocontrôler la français tout au côté de la lingala. Na langue lingi. Attends, tu comprends l'état de l'eau. C'est mon seigneur pour bien la mise à bien. Oui. Zambezab. Monton. Na bien. Bazotonga. Et aussi la temps. Ben aussi, ben aussi quand aussi là. Papa. Mais nous avons Bissonio Sotolanda, gouverneur à Villa Kinshasa. À l'aubine à décembre 2023, Zan devant de mémoire, bon répétez, bon je l'en ai, j'enterre mon Seigneur. Et bon, bon je l'habille gouverneur. J'enterre mon Seigneur pour le gouverneur. Zan de Kosila ici là quand? Gouverneur à Ibisa Bisso, Zan de Kosila en décembre 2023. Donc il y a les besoins de Zan à Congolais, les lots, sont dans le talayou. Oui, ça Congolais, Bino Tosan régime. Budget à combien 16 milliards. Loi budgétaire il y a 2003, exercice 2023, il y a 16 milliards. Voilà que ça, mon candidat, on a posé la question à FMI, ou à l'objet du gouvernement, à instructeur, après ça, sur le budget, après ça, c'est là, on a posé la question. Oui, bien, ceux qui, dans la qui, moto à émotion, n'est rien à quoi évanouir. Que journaliste, mon aîné, le collègue Peter Tiani, a qu'il n'est pas Kamataka, Bakasa, le Kouta. Où ils ont tambour dans les réseaux sociaux, aya kobimi sango wa le col à vie à FMI. Non, Zela, monsieur Peter, on est à Liboso. Yami Balé. Depuis quand? C'est pas possible. Zela, depuis quand? FMI, Banque mondiale, bazan a pouvoir yako décider sur loi budgétaire yamboka. Il travaille avec nous. Il est là. Mon colonie ni FMI et ça lui communiquer lobi makambwa no bino bokoloba. Tiens, mon sénat. Boni okuta boni. Pas si na bino ezalipo, pas si na bino ezaponi, pas si na bino ezapo, bozai ko kanisa ete mapona mieko salavate. Pas si na bino, pas si na bino, yo ko mokwandi sango. Tozo ko na bato, ba dongolo miso. Likambo ko te na miso. Tozo po pasi ko tsi. Pas si na bino ezakinini. Zela, monsieur Peter, pas si na bino ezakinini. Bazai ko zela ete, dialogue salama. Kadima ko kamakamote, glissement e salama. Po dialogue, et ça la mabatoba solo là. Ok. Baka maboué, processus enrôlement des avocats. Ok. Babani Kosom, Baba ordinateur, oh, tout quand tu m'as machine, botawa, botalawa, kadima, aboué, kakamakamara enrôlement, nzoka lokuta. Ikambezat. Lelo oyo, batonyon sobaebi, bakomi conscient que l'élection est allée. Ndio moni, bakomi ko fabriqué, babilo ko zangatina. Problème est allé. Yeba été budget, ezali. Et ça 16 milliards. Et ça édicté na mobeko, et ça 16 milliards. Budgétaire. Chef de l'État, chef de l'État, 3,5 milliards. A promulgué yango, na décembre de l'année écoulée. Problème est allé. Poto ke yana moukou, c'est M. Peter, yo za mopanzi sango. Oyebi assignation yo bape sa na DGI. Mensuellement DGI azo réalisé combien na chiffre? DGI azo quoi voisiner le milliard. N'est-ce pas? Ce qui te lobi kaka total a DGI radité pour na ba taxe parafiscale. Total a kaka DGI a pamba. DGI kaka pamba. To comme on a 10 milliards te. Donc comment on a 10 milliards alors, qu'est-ce qui est impossible pour te commander 16 milliards pour que le Bao publier vrai budget. Mais ouais. Vrai budget, à moi, on est dans la loi. Le problème est ça. Tu sais, moi, c'est parce que depuis la minute, deux mois, va fonctionner dans la faute à ton cabinet ministériel dans la faute à mité. Ma député, trois mois, va faute à mité. Ma sénateur, deux mois, va faute à mité. Est-ce que vous êtes au courant? Monsieur Peter, oui, bien que... Ceux qui ont été battus, ils ont été appris dans l'éducation, ils ont été battus dans l'éducation. Pourquoi ils ont été battus? Ils ont été PCA, la coopérative d'épargne de crédit. Coopérative, wana ezali parmi les battus, ils ont été battus pour le paiement, la bancarisation, les enseignants, na Sankourou 2. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, tu as un listing qu'on a payé il y a mois d'avril. Ils ont les cacalamités. Ok. Ils ont les cacalamités. Oh, il y a mois d'avril, tu es. Mois d'avril, là aussi. Nathalie, une vidéo sur. Fonctionnaire, il y a un député, il y a un sénateur, il y a un plainte qui m'a foutu à l'été. On a peine à retirer la vidéo, il y a papa Bahati. Il y a un lobby. Bon, c'est la chimie. Tu es un privilégié. Tu es un plus privilégié. Alors, bon, c'est un fonctionnaire à l'état. Tu vas fonctionner à l'État, c'est ça, ça. Il y a une émission. Bande de fonctionnaires. Il y a une émission, il y a un fonctionnaire. Bande de. Ok, vous me serez à la salle. Cassité. Bande de fonctionnaires. Bande de fonctionnaires. Bande de fonctionnaires. Bande de fonctionnaires. Attends, ma vidéo, ma voice. Bande de fonctionnaires.
Merci de nous avoir senti pour. Ah, tout ça, qui ça? Bilan, ça m'a l'amour. Congolais, Na quartier wa bengi mantumpu eza na pont moko office de route atonga po ete batu baleka kuna kasi pont wana eza ramusika bato misusu bazali ba kote ya gare soko zokene neti kotata kizala basala nini po maya lukale leka kaona bango moko na nene na bango basorganize batie de singa soko zoleko zo simba singa po na koevite kokene musika po katsa na pont place wana to kondane commune. Parce qu'il faut appliquer sa pratique. Wana. Mais tu peux condamner le gouvernement, tu peux attirer le bateau, tu peux attirer le pont, Isali. Vous comprenez? Alors, avant de poser la question, on a l'image, on a l'image, avant la l'image, on a 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 précision, on a l'image. On a un exemple. Le nom, ceux qui sont journalistes, c'est mon thème, ma bénéfice, accueilli.
na sewana ya takizala a filmé a kolobao a kutu pont izalakate donc à 200 mètres il y a un pont construit par l'office de route pour nous retenir dans quartier donc aux autres ça veut dire que comme on dit ma comité en danger bâti le pont gouvernement ça est malamo mais que comité en danger le pont mais Peter est-ce qu'on y est que biso côté on a la congolais tolinga comité en danger mingi n'a pas ce exemple moro kaka il y a une limiteur au moins la passerelle qui toko yo l'état tonga na boulevard Lumumba. Combien de personnes m'ont préféré à Tiki n'a pas passerelle à au cas de makolo combien de batouba tout est ici kawana à Tiki n'a pas passerelle place aux vies n'a pas sécurisé donc même canapé à mon yango et à moussika n'a pas de kawa pour batoutier donc même canapé mais oui. Selon compréhension, là, parce que pour nous, nous avons un cas de n'a pas cet espace au féline la Perfect Télévision. Alors ça me sert à mon nez. Tu as entendu mon scénario pour l'image de la SNL. Quand on a besoin de la SNL, on a vu. Mais au talent, le régime a été sécurité. Au talent, il y a des abus. Tiens, papa. On a gagné 100 euros. Mais tout le monde reste dans 100 euros. Il y a un grand prêtre à la mère de Malang, un patriarche, un abus. Au talent, l'image. Vous pouvez en avoir 100. Territoire Yakoli, Botala Natongo, famille Oyo Balamuki, Baye, Bazingami Boy Bavandi, Tobando Conte Bango. 1, 2, 3. Bazane Femokoka, Bana ya mama moko, mama na bango, yeyo. Natongo Balamuki Boye, petit déjeuner na bango, ezali fufu ya ka konto oyo, bozali komona. Kasi fufango, ba olia mona nini, boze la bomona démonstration. Mama tali gauche à tali droite, azana elokote, azui kokoti o bozali komona, apaso liango kobo, e panzani abimisima inango, ache nasani, ache mungwa, abalusi abalusi, ya wonde logo ya pep soup. Bota la bino moko, ba beti pre, ba na bakomi ko wele la fufu, bota la neti owana, azoyo kango gu, tala akati fufu. Atoti na kacha maya kokoti wana, kiu ameli, msusu wana pe, kiu, oyo wana atali, yayazo dundelanga, abete mwa de jifle, yo yaya, o dundat. Ba kontine kolia, kasi soki botali kulera fufango, diata bombi kutu, ekosa. Mama na mupanzi, azota la cheli boko na litama, ezo pese mawana pasi. C'est moi, c'est pour nous la question, tout répondre à Gamba. Image au Yonde, Zopé Sangaï, et c'est mon bon programme à développement 145 territoires. Pour ma Gamba, vous êtes là. Pour maman, Oyo, Azo Makassi, à Rodlon, à Bilanganae, nous sommes là où nous battons 145 territoires et permettre à Tekandunda, Azo Mbon, au Banane Balia Malam. Pour nous là où Bakosala, et puis sa possibilité, lorsque vous avez un petit peu de temps, voilà l'importance du programme de développement local. Il y a 145 territoires. Parce qu'avant le programme, personne n'a pensé à nos territoires. Personne n'a pensé à nos territoires. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un niveau. Même il y a qu'aux angles lamba, na moi il moto moyen, à cela na ils attendent quoi zan elambate. Ils ont ça la malakat yambo cannabis oyo. C'est vraiment sénébo. Alors tout ça, ça ne se règle pas en 4 ans. C'est un processus. Oui mais la vie des gens, la vie des gens a changé en 4 ans. Alors pour commencer, on voit des fêtes, des gens, des champagnes. Pour commencer, la vie des gens a changé en 4 ans. Pour la vie du peuple, le peuple d'abord est où? Mais monsieur Peter, c'est monsieur Bruno pour juste la non. Zela non, là c'est ça va répondre. OK. Moto yo au moni azolia mabé. Mais bana na ba komo kede kelasi. Lobi bana au moni bazolia fufu wana na soupa kokoti. Ventre enfermé na pointe. Bazero kende kelasi te. Autant na ngani ni crétinisme mayele aussi là. Ngana tanga na bidormi. Ngana tanga tanga msusu mokate. Oui, mais on se voit au côté chaque jour. Il y a un besoin de soubana. Il y a un raté. Pour nous, on se voit au côté de la famille. On a rien, on a un palais. On a un païen, il y a un covadis. On a un foot à l'ambil à la kati. Pour créer moi goût, au kati 4 ndembi, au tien à kati. Au damé. Au balai, tala maï. Et puis quel maï? Maï à source.
comprendre. Ça dit fou fou C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que mais quand le pays vient de le pays vient de les régimes vous ont fêté. Vous ont fait Marbella. Vous ont fait 21 000. Tu t'es retourné quand même pas si toi quand même non. Non, moi je le babongo. T'es à 21 000. On a un régime. Banawana. Mais ça c'est pas ça. $50,000 dans mboka. Mais yo ça dans ça. Mais dans ça là bas $300,000 dans mboka. Ça indice aux le baque, bah tu bameli champagne parce que yo monsieur Peter. Yo monsieur Peter, ce qui français mon quoi ya wano. Mais monsieur Peter, je viens de vous voir aux Champs-Élysées. Oui. Mais au même moment, je vois vos compatriotes en train de manger le foufou avec l'eau de cocotier. Oui. Mais il y a aussi potote. Oui, non, aussi potote. Donc, ceux qui les mettent au bagnole, via Batomousso échangé. Pour Peter Ake Poto. Mais non, ça c'est ridicule. Ça c'est ridicule. Mais faut-il les ajuster? Non, je te dis. Il faut voir les efforts que le gouvernement fait pour le gouvernement a travaillé pour changer la vie à la Congolais. Mais tant que le gouvernement qu'est-ce que le gouvernement fait pour les populations? C'est ça la question. Ce n'est pas qui fête, qui ne fête pas. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour ces populations? Le gouvernement Lelo a pris six possibilités à plus de 5 millions d'enfants back in the class. A tout bout, il y a un nion, soit. Question publique na BRT Afrique en 2006. Au Banda Kobunda pour na Congo yo. Lelo 20 ans après, il y a des changements, oui ou non? Oui. Mais alors, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Moi je suis ça signifie que il faut donner le temps au changement. Autant que le mal a eu du temps, il faut aussi donner un temps pour le changement, c'est important. Mais nous sommes tamayel, hein. On a la pratique des pèses macas. Elle n'a pas congolé belé les lobes parce même la difficulté à voter. Selon yo. Oui. Les analyses, non, poser question, nous tiens en forme analyse pour. Ça dit congolais vous voyez changement, vous changement. Surtout la partie des pèses. Le congolais pensait que si tu sais qu'il part, quelqu'un d'autre vient. Qu'est-ce que tu racontes, monsieur? Parce que le régime IDPS n'est pas ce que tu as dit, que tu as le pouvoir et le peuple. Est-ce que vous avez vraiment la question? Tu n'as pas posé la question. Pourquoi vous avez dit? Au moins, ma image, je peux ça passer. Je vais vous dire, monsieur, je vais vous dire, 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 je pour que nous tous soyons comme un pouvoir, la vie n'a pas été changée. Nous, il est quand la catikuna, nous sommes comme un pouvoir à Bossani, peuple. À Bossani, la place Yaouta. Quand on voit ces images comme ça, ça c'est partout au Congo. On a tout le monde, l'ongola Tshisekedi, l'ongola Katumbi, l'ongola Mende, nous tous en tant que Congolais. C'est-à-dire, comme nous, Congolais, on n'est pas en mesure de changer la vie de nos semblables quand on a le pouvoir. On se gère, nous et nos familles, mais on oublie les idées pour lesquelles nous sommes. Nous, Congolais, je parle de nous. Ah. Bana émission et Bandi, première bonne question pour lui. Parce que vous faire allusion à la responsabilité de la mission. Parce que nous avons la nous. Et ça la responsabilité de mon conseil, et ça la responsabilité de la mission.
qui moquette, ça je peux te rassurer, monsieur chef de l'État Bossaniba congolais, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il pense justement aux solutions pour ce pays. Ce monsieur se bat pour que ce pays aille mieux. Mais c'est une affaire qu'on ne peut pas faire seul. Un chef de l'État, ce n'est pas un magicien. Lorsque toi, tu es responsable d'un territoire, lorsque tu es responsable d'un quartier, lorsque tu es bourgmestre, lorsque tu es ministre, qu'est-ce que tu fais pour changer par rapport aux responsabilités qu'on t'a données? La situation de ces enfants prouve que depuis 1960, mon frère, ça fait 63 ans aujourd'hui que nous avons fait reculer ce pays. Nous avons fait reculer ce pays. C'est ça la résultat, la résultante. C'est ce genre de résultat qui prouve que nous n'avons pas été responsables de manière collective. Okay. Et que nous avons été distraits de manière collective. Maintenant, est-ce que le chef de l'État ne fait rien? C'est ça la bonne question. Il fait, un, avec des programmes qui vont permettre à ce qu'il y ait un développement à la base. Le programme 245 territoires. Dans un mois, je vais tout faire. Je viens d'ailleurs de là aujourd'hui. Je vais parler au ministre du plan pour que dans l'itinérance qu'il va faire, pour vérifier les travaux de 145 territoires à Kenenayo, sur un programme, il y a Lubumbashité, je vais tout faire pour qu'à Kenenayo. Il va faire une itinérance dans toutes les provinces. Août, hein, fin août. Il va faire des c'est mon seul programme. Dans toutes ça, les je provinces. Suis bon, parce que il va faire des descentes dans toutes les provinces. Il va aller avec vous. Je vais militer pour que vous l'accompagniez pour palper du doigt. Qu'est-ce que le président a fait? Il a implémenté la gratuité. C'est vrai qu'il y a des enfants qui étudient alors que la pluie tombe sur leur tête. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement à décaisser l'argent pour construire les écoles. Il n'y en avait pas assez. Est-ce que tu sais que dans des territoires comme Lusambo, de Konangaï, il y a des écoles qui sont à 70 km, Banabakene Makolo, sur des kilomètres, Peter. École les athées. École les athées. Mais aujourd'hui, ce gouvernement est en train de construire des écoles. Okay. Tu peux imaginer que dans une province comme le Sankourou, il n'y avait pas de banc. Okay. Mais c'est le ministre Tony Mwamba qui a donné la sous-traitance aux sociétés locales, entre autres la Fondation Ichuka, pour faire des bancs. Ces élèves aujourd'hui de la gratuité ont des bancs. Okay. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a augmenté le salaire des fonctionnaires. Mmh. Ah oui? Les médecins sont en grève, les professeurs sont en grève d'université. Attends. Vous êtes au courant? Oui, bien, ils ont dit grève, ils ont le remords boué et l'accent que rien ne va. Non, grève, ils ont la revendication professionnelle, ou ils ont la qui ça qu'on aspire à mieux. Ça ne signifie pas que rien ne va. Non. Merci. Thierry Monsenepo, ça va aujourd'hui ou ça ne va pas, ça va s'améliorer, il faut encore attendre. Aujourd'hui, ça va. Pour les Congolais, ça va. Oui, ça va. Ok. Papa. Ça va. On l'a tout à l'heure. Ça va. Le Congolais va plus attirer des deuxième mandat pour situation des citoyens. Nécessairement. Il faut appeler sa deuxième mandat pour situation les citoyens. Les amis. Pour eux, pour eux, les amis. Les situation les amis, on peut attirer des deuxième. Pour eux, le bandit, si Koyo, éco-bâti, en 2028, pour que Tango, Mokonzembo, Kaotik et Bonga, Totali Nassimatolobi, Solo, on a fait un travail pour combler un trou de 63 ans. Ce n'est pas facile. Pour beaucoup, tu sais qu'il devait réussir en s'appuyant sur l'IGF, en arrêtant des voleurs. C'est la dernière question, mais malheureusement, il a fragilisé l'IGF parce que même bateau IGF a quand même mis, même le gouvernement, tu sais qu'il a raison, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu sais qu'il dit à voir avec le travail de la justice? Qu'est-ce que Jules Alinguette a à voir avec le travail de la justice? Mais Jules Alinguette a gagné. Jules Alinguette. Alors, il a dit que c'est un peu plus grand. Mais après, Jules Alinguette a saliné. A tenu la justice. Voilà. Justice, c'est quoi? Arota là-bas, élément à charge au IGF, à Tchéna Moutou et Moutou. Arota là-bas, élément à décharge au avocat, au défense et Moutouana va produire. Et puis, a décidé. Ça veut dire que si le juge a tranché et que Moutouana a un gouvernement, ça veut dire que IGF a un tort. Ça signifie que. Tant que Moussousou, Moutouana va qui blanchit la justice. Eh, c'est quoi? Avec une douarcine à IGF blanchie la justice. Tant que l'on a Moutou, Moko, IGF a Kanga Moïbi, ou à Zonina gouvernement. Ministre Adel Kayo. Oyo, justice,
Oyo, ministre Adel Kayinda est stagiaire à l'entreprise publique. Ben, j'ai pas cité que je m'en communique. Ah, on l'a dit, c'est à qui est. Donc, c'est une rapport dénonciation. Et là, on a dit que Moutoza Moïbi, ceux qui jugent à l'OBI, va condamner. Donc, par rapport à IGF, on a dit que faut s'adresser à la justice. Notre justice, il y a un grand travail à faire. Tout le monde le dit. Justice, hein? Tout le monde le dit. Menga y menga, justice, hein? Tout le monde le dit. On a fini de tirer mon sénépo, heureux ou un peu déçu d'être devenu politicien, parce que jusqu'ici... Très heureux. Vos affaires marchaient bien. Très heureux. Dans le domaine des médias, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais on dirait seulement dans le domaine politique où... Est-ce que Moutou va finir à la train? Moutou va finir à la mort. Bazo finir à la avoir certains dans le gouvernement, tiens, ce n'est pas raté. Attends, nous sommes 100 millions de Congolais. Si nous tous sommes dans le gouvernement, ça sera un gouvernement comment? Attends, Moko. Gouvernement 58. Voilà la politique qu'on n'aime pas, la politique des individus. Où on pense qu'un parti politique appartient à quelqu'un. Qui vous a mis ça dans la tête? Le parti politique, c'est un bien commun de tout le monde. Mais pourquoi il faut faire ça? Fatih passe la bêtise fort. Pourquoi vous pouvez dire ça? Ah, Fatih. Pourquoi vous pouvez dire ça? Moi, je te rassure. Ok. Et rassure à tous ceux qui t'ont appelé que Thierry Monsenepo va bien. Thierry Monsenepo continue à défendre sa famille politique. Thierry Monsenepo n'est pas derrière quelqu'un, mais derrière des idées. Pas du tout. Est-ce que vraiment. Na esprit na yé. Ah oui, pour bloquer Moutou. Mais tu dois m'amouiller, Mais si vous continuez, quand la boue, vous avez ce qu'on m'a dit, via Batou, yo Peter, si vous êtes là, ah, tout ça qui est journaliste, c'est un beau sembe, a commis président, c'est ça, laïté. T'es la félicité. Mais voilà. Est-ce que vous avez la mille présidents, c'est ça? C'est pour dire qu'à chacun son tour, la vie, elle est comme ça. Les noms à la nuit sous qui pèment avant, Dieu n'en a pas mis un côté au bout de un jour. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Bref. Merci beaucoup, Thierry Monsenepo. C'est moi qui vous remercie. À part la politique, j'ai vu une structure créée où vous donnez de l'argent gratuitement aux gens. C'est quoi en fait? Non. Vous avez beaucoup d'argent. Hein? Non, on ne peut pas faire ce genre de choses. La Banque centrale nous a donné une licence pour une coopérative d'épargne de crédit. Okay. C'est une microfinance qui permet aux gens d'épargner, mais qui permet aussi à ce qu'ils puissent des crédits aux gens à des taux d'intérêt très réduits, qui permet à... Bien entendu, si vous avez un projet, si vous avez des moyens de rembourser, on va étudier votre dossier et vous donner le crédit. Donc ce n'est pas gratuitement parce que vous gagnez la politique. Pardon? Pourquoi vous gagnez la politique? Mais politique, n'a la botama la kati, na koli na kati, c'est pour servir ce peuple. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, on puisse travailler pour le développement de la société. Merci beaucoup, Thierry Monsenepo, un message à tous les Congolais qui vous ont suivi. C'est de rester serein, de ne pas suivre ceux qui sont des profondeurs du mensonge, mais plutôt de croire en ce que le chef de l'État est en train de faire pour le bien-être des Congolais. Ce bien-être se matérialise par des projets concrets qui sont implémentés et financés par le gouvernement. Et celui qui, moi, personnellement, me tient à cœur, c'est celui lié à la gratuité de l'enseignement. Mais à côté de ça, au programme de développement de 145 territoires. Je pense que si nous réussissons à créer dans nos territoires des hubs de développement, nous allons facilement atteindre l'émergence dans ce pays.
Merci beaucoup, Jean-Thierry Monsenepo. Merci pour tout. Hein. Peu savent que vous avez été au cœur de ce projet, de cette chaîne de télévision. Peu savent. Hein. C'est Dieu. Bon, peu savent que vous étiez à la base de cette chaîne de télévision. Bon. Quand le nom sous Tshisekedi Ndeko Zalala, Tshisekedi Zalala, Kozala Benemi, Kofi. Et surtout, c'est un plaisir de vous retrouver après la suspension que vous avez eue. C'est un plaisir. J'ai été suspendu. C'est ce qu'on a lu dans un. Non, moi j'étais à Paris, en Belgique, en vacances. Je suis revenu. Ah, en vacances en Belgique. J'étais en vacances en Belgique, en à Paris. Cas, voilà les journalistes sous Fati. T'es rien à voir avec Fati. Depuis sous, tu fais des Kabila. Non. Depuis sous Kabila. Oui. Donc, non, mais vous venez des vacances. Des vacances à Paris, j'étais en Belgique. Sous Joseph Kabila. Mais on n'était pas des ennemis comme aujourd'hui. J'ai entièrement mentionné par Zana Fati. Mais tu as un plateau, tu as l'émission, tu as communiqué avec Jean-Marie Kassamba hier, sous Kabila, c'était. Aujourd'hui, on dirait que tu es un ennemi. Avec qui? Vous êtes ennemi avec qui? Oui, non, aujourd'hui, voilà, bref. Vous n'êtes ennemi de personne. Mais tu as la raison, c'était toi qui n'as pas. Vous n'êtes qu'ennemi. Pas bien, il faut bima, il faut finir attaquer pour vraiment. Pourquoi? Allez, merci beaucoup, Thierry Monsenepo, le statut au Perfect Télévision. Dans la base de Perfect Télévision. J'accuse TV Monsenepo pour la télévision d'être à la base de cette chaîne, quand j'ai créé cette chaîne. Si pas 60% de la réalisation de cette chaîne, il y est pour beaucoup. Et nous sommes de ceux qui sont toujours reconnaissants de la vie. Hein. La famille est sacrée, TV Monsenepo. La grande majorité des collaborateurs de Perfect Télévision viennent de BRT Africa. Pas de Lubumbashi. Hein. Non, viennent de BRT Africa, où TV Monsenepo était directeur général. 70%, hein, 80%, hein, il y a personnel, il y a Perfect Télévision. Bon, directeur de programme, c'est DJ Vita, BRT Africa, Jojo Mulumba, BRT Africa, BRT Africa, bon, voilà. Déjà, il y a un peu de comme on est politicien, à quoi on est Macambo, sous ta tica, TV, ça va passer. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée. C'est un plaisir, on va se retrouver encore prochainement. Des questions, bonjour Beng et Belé, mais c'est bien comment, mais bonjour Beng. Je téléphone pour le Congo ensemble et rien qu'ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.